Information à la une au Burkina Faso. Des morts dans une attaque terroriste sur l'axe Laba-Sili. Une attaque terroriste a coûté la vie à des civils à Benega dans la province du Sangié, région du centre-ouest, dans la soirée du mercredi 18 octobre 2023, selon des sources locales à Minute BF. Selon les sources à Minute BF, les hommes armés, au nombre d'une quarantaine, ont fait éruption à Benega, village situé sur l'axe Laba-Sili, autour de 19h ce mercredi 18 octobre 2023. Ils s'en sont pris à une position des volontaires pour la défense de la patrie avant d'ériger un checkpoint sur la voie. Ainsi, ils ont procédé à des fouilles des personnes qui empruntaient la voie à cette heure avant d'ouvrir le feu sur elles. Plusieurs personnes, parmi lesquelles trois enseignants, ont été tuées dans cette attaque, précisent nos sources. Les sources de Minute BF confient par ailleurs que les forces de défense et de sécurité sont aussitôt arrivées dans la zone pour des ratissages. Pour l'heure, toujours à en croire les sources de Minute BF, le village de Benega et celui de Poé, avoisinant, se sont vidés de leur population. Soulignons que la province du Sangié et de la Sicilie ne sont pas à leur première attaque terroriste. En mars dernier, un VDP avait perdu la vie dans des combats qui ont permis de neutraliser une quinzaine de terroristes ayant pris position dans les forêts qui environnent la commune de Sili. Quelques mois plus tôt, en novembre 2022, c'est le chef Kogleogo de Kaloa et sa femme qui étaient tués par des hommes armés à leur domicile. Alors, c'est tout pour cette information, messieurs, dames. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.